Yo 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 yo! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est parti sur un deck. Mais alors, un deck, ça va être sexy, hein. Je vous préviens, ça va être le gros kiff de la vidéo. On est sur du Mineur 2.6. Je vous laisse regarder en bas. Donc, effectivement, on est sur du Fast, Fast, Fast Cycle. Et comme vous pouvez le voir, il y a quasiment rien contre l'arrière. Enfin, vraiment, ça va être assez fun de voir comment Monsieur l'Indécis y arrive avec. Donc, déjà, merci de m'avoir contacté et bienvenue à toi. Ah merci, merci à toi de me faire passer dans la vidéo et c'est aucun problème de présenter un deck atypique comme ça. Ah, c'est le kiff. Du coup, tu dis que tu le joues depuis 6 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, 6 mois et demi, 7 mois, enfin ça fait 9 mois que je commence à le travailler, mais là j'ai vraiment, un mois et demi après, j'ai vraiment eu la decklist parfaite et là je la bouge plus depuis 7 mois, 7 mois et demi Ok. et je la tryhard quoi. Ouais, tu m'étonnes, hein. Parce Ouais, qu'effectivement, tu bah. disais que tu t'étais inspiré un peu de Surgical Goblin qui jouait un mineur C'est ça, rapide avec Tornade et exactement. Bat. Ouais. Avec Tornade et Bats, et j'avais préféré mettre un gang de gobelins et un zap au lieu de ça, parce que c'était plus efficace dans la méta d'avant, et vu que j'avais appris à jouer ce deck comme ça, même en changeant la méta, j'ai continué à le garder, et puis ça fonctionnait. Donc voilà, je pense que c'est. J'arrive à un deck qui est assez solide dans le temps. Génial. Ok. Voilà, c'est. En plus, enfin, clairement, hein, pour ceux qui sont un peu moins adeptes du jeu, jouer des decks aussi fast cycle, c'est extrêmement compliqué. C'est ça qui va vous permettre, entre autres, de réussir à progresser vraiment haut sur Clash Exactement, Royale. ouais. Faut apprendre, Complètement. comme tu disais, hein, les micro-interactions, savoir comment gérer les voleuses avec la voleuse avec le squelette, les golems de glace, les positionnements, le kiting. Ah, c'est ça, c'est exactement ça qui va faire la différence dans la game. C'est pas du tout le niveau des cartes, comme certains disent, ou vraiment faire des gros bus. Un gros bus, ça peut faire peur, mais si tu connais comment les cartes fonctionnent sur le terrain et à tel moment, bah, il n'y a aucun problème à les counter, quoi. Il faut Nice. juste savoir le faire au bon moment, c'est tout. Exactement. On check un peu tout ça dans le premier replay et tu nous expliques un Pas de peu le deck souci, aussi. Ok. tu me dis quand tu veux le Vas-y, lancer. go. Je commence à C'est partir de 2, parti. c'est plus rapide. Alors, Ouais. géant, Valkyrie, boule de feu zap en face, gargouille. C'est ça. Donc toi, tes opening play, c'est quoi sur ce deck? Alors mon opening play, mon meilleur opening play, c'est Esprit de glace mineur en lançant les doubles cartes en même temps. Ce qui va me permettre de geler la tour avec les 3 coups de flèche qui vont pas pouvoir toucher le mineur en attendant. Et le mineur va arriver full vie et la tour sera gelée. Avant même que la tour ait touché le mineur. Là, je vais kite la Valkyrie tout simplement. Je garde ma T2 parce que je connais pas encore son deck. Si j'avais su qu'il jouait par exemple Valkyrie Golem ou Valkyrie Cochon, pardon, j'aurais pu mettre une Ouais. T2. Tu peux la Là, tout de kite suite, je vais. un peu plus bas aussi, hein. Ouais, je sais, mais là justement, je préfère la laisser avec un petit peu de vie. Comme ça, quand elle arrive, ma tour est efficiente aussi et ça permet de geler la tour. Là où si elle prenait un coup. D'accord, ouais, je comprends. Donc là, je vais tout de suite, tu vois, je peux tout de suite partir sur un aggro à droite, comme ça il peut pas développer son gros push. Et là, je vais avoir énormément de chance, je vais mettre ma Énorme. T2 en kite. Oh. Et là, ça va être la grosse défense, tu vas voir. Ok, Golem de glace, je crois. zap qui va. Et les squelettes sur la Oh, c'est sorcière nice. de l'autre Et côté. t'as mis déjà mais tellement de dégâts à droite. C'était ouf Et quoi. tu remarques qu'à droite, j'ai lancé 8 d'élixir, tu vois. Ouais. À peu Ouais, mais près c'est vrai 8 que d'élixir. le mineur et le reste des gobelins que t'as splitté, ils ont fait tellement mal. Exactement, et c'est exactement ça. Et encore une fois, tu vois que les gobelins que j'ai lancés, il y en avait un à couteau et un à lance à gauche, ce qui Ouais. a fait que la sorcière a dû mettre 2 fois 2 coups, et non pas une fois 2 coups. Donc là, c'est exactement le play dont je te parlais, la tour est gelée, et le mineur peut taper. Tu vois, c'est énorme hein, le nombre de dégâts. Ouais, c'est insane. Hein. Clairement, Là, je t'as suis. énormément gratté là. Ah, mais ça, là, je crois que je vais faire avec le gang de gobelins, et la T2, je vais la mettre tout à gauche si je me trompe pas. Voilà, comme ça, la gargouille qui va être à droite, voilà, j'avais pré-shot, il pourra pas. Focus de la TDE. Et là, donc, le match-up est. Enfin, le fight est complètement gagné. J'ai un peu misplay mon golem de glace, si Ouais, je y me a pas trompe. besoin. C'est ce que je pensais Bah, aussi. c'est ça exactement. Surtout que Après, l'archère reste avec de la vie. je sais pas si Mais c'est bon. grave si tu perds 2 d'élixir sur ce deck à ce C'est moment-là. surtout. C'est pas le 2 d'élixir, c'est surtout le fait que je perde le golem. Donc là, Ouais, je suis toujours un mineur différent au placement. Donc tu vois encore le même play. En plus, tu sais qu'il a pas Tornade, donc tu peux te permettre. Exactement. Bah, je connais son deck. Je sais plus s'il a joué Zap. Je crois qu'il a joué Zap. Mais Boule de Feu, il l'a pas joué. Poison, je l'ai mis un peu late. Mais ça devrait passer. Et là, ça va être un petit peu assez chaud à défendre. Mais je crois que je vais bien m'en sortir. Ouais, le Je vais problème, c'est kite la rage aussi, hein. Ouais. le bûcheron. La sorcière, je me dis clairement, je vais la kite avec l'esprit. Et là, ça va être le Ouais, bon c'est ça, play. il L'esprit de zappe. Ouais. glace plus le zap. Et donc là, c'est terminé. Mais à tes deux survies à tout ça, voyons. Exactement, c'est ça. Bah, l'esprit de glace va geler les deux en fait. Là, le mineur, je l'ai mal mis, j'aurais dû le mettre à droite parce que je pensais qu'il allait mettre une Valkyrie, mais au final, il a mis la Donc sorcière. t'hésites pas à repartir agressif en mineur, même si t'as déjà tué une C'est ça, tour. exactement. Parce que j'ai vu avec l'expérience que essayer de protéger ma tour à tout prix pour prendre la deuxième, ça servait à rien. Parce qu'à un moment, il me met un bus et si moi, même si je prends la deuxième, j'ai fait une petite erreur. Oh non, ça va être je la récupère, je crois que j'avais oublié. Même si Ouais. je prends la deuxième tour, enfin celle qui est la plus endommagée. Je sais que, petite erreur de placement de mineur, j'ai fait une erreur. Et bah, je sais que même si j'arrive à prendre la tour qui est endommagée, si je perds ma tour, ma première tour, il faut que j'ai énormément d'avance sur la deuxième pour gagner mon fight, parce que si, enfin pour gagner la game, parce que sinon c'est terminé. Si je perds une tour avec ce deck, c'est extrêmement compliqué de revenir.
quel que soit le match-up, hein, qu'il soit bon, excellent, mauvais ou très mauvais, c'est de ouais. base très compliqué. De toute façon, c'est des decks où, justement, à l'inverse de Golem, où genre quand tu joues Golem, tu dis c'est pas grave si je perds 2000 HP sur la tour. Exactement, là, c'est complètement decks... parce que t'as un Golem quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Là, c'est des decks où t'as vraiment envie d'économiser chaque dégât quoi. Préfères mettre des squelettes pour sauver 300 HP que. C'est ça, et c'est pour ça que le deck Cycle est excellent, c'est que tu peux. T'as toujours quelque chose pour défendre quoi. Vraiment. Carrément. C'est. Donc là, le deuxième match, c'est mon objectivement, c'est mon pire match-up, je pense. Ouais. Et tu verras que c'est assez dur à gérer, mais la game est magnifique, en tout cas. Ok, bah let's go, alors. Alors, ici, tu es effectivement contre du Molosse, bébé dragon, plus de flèches, gargouille, ballon. C'est ça. Ouais. Exactement. Alors là, il faut savoir que la pire main, je l'avais presque dans les mains, c'est TDE, golem de glace, poison zap, c'est la pire main. Parce que tu peux pas aggro. Et ouais, là, je vois tout. Tu fais quoi avec ça tu cycles un golem de glace fond de match. Je cycle et là, j'essaye tout de suite de mettre ça en espérant avoir un mineur en deuxième carte. Mais là, je vois que c'est chaud. Là, il fait une erreur, je pense, c'est de pas défendre. Parce que les gobelins 13, ça fait quand même très mal. Ouais, ça fait mal, hein. Ouais. Encore, là, ça va, il a la tour 13, mais... Ouais, la tour 13 et le défend bien. Là, je mets la T2 ici. Je sais que j'aurais pu la placer un petit peu plus à gauche. Et là, il a pas de zap. Enfin, il a pas. Là, j'ai Mike. Tu poisons Clyde, pardon. Ça ou pas? Non, tu zap. Non, zap tout simplement parce que je sais que la T2 va récupérer le focus. Là, c'est très très chaud à défendre. Mais bon, mon gobelin va attirer le. Ouais. Car t'aimes pas trop ça les bébés dragons non plus sur ce deck. Hein. Non, le bébé dragon fait très très mal parce qu'il one shot tous mes squelettes et mes gobelins à lance. C'est pour ça que le bébé dragon est assez chaud à gérer. Là, tout de suite, il a beaucoup de points de vie et t'as que la T2, mais tu peux pas t'aider le bébé dragon. Ouais, complètement. Mais tu vois quand même que j'ai quand même bien aggro à gauche et j'avais pas forcément mon golem de glace qui était repré pour counter le baby dragon, donc ça c'est plutôt bien passé, j'ai trouvé. Voilà les squelettes classiques pour défendre. Parfait. Ça me pose pas de soucis le. Ouais, tu vas te prendre 3 dégâts et demi. Ouais, ouais exactement. À peu près. Hein. Là, je m'attends à ce qu'il fasse ça. Donc là, je sais plus si c'est à ce moment-là que je vais TDE et cycle à mort pour reset une deuxième T2, enfin pour récupérer une deuxième T2. Là, t'es plus ou moins obligé de TDE. Ouais. Après, il a foudre. C'est pas foudre. Cool. Foudre, c'est pas forcément un gros problème. C'est un problème si ça touche et la TDE et le golem de glace, pardon. Mais là, ça devrait aller. Ouais. Je vais mal poser mes squelettes tout à droite de la tour. Je crois que je vais les poser un peu trop tôt. Mine de rien, ton mineur est pas défendu, du coup, il gratte bien. Exactement. Et là, tu vas voir que ça va se jouer sur ça, la game. Je vais poison, je crois. Non, je vais même pas poison. Étonnant, je vais zap alors, je crois. Et tu vois que la tour elle focus sur le. Là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai très mal défendu cette tour et je pense que c'est la game s'est jouée entre guillemets là-dessus. Carrément. Faut vraiment pas. En fait, quand c'est comme ça, tu sais que ça va prendre l'aggro sur le bébé dragon et à partir de là. J'aurais dû poison, ça complètement. Ouais. C'est une erreur de panique. Et bon, là j'ai commencé à faire. Là je pense que c'était un bon play de faire ça, les squelettes vont kite là. Les petites gargouilles. Ouais, là ton poison fait une bonne value. Il foudre, ça coûte cher. Il foudre, exactement. Et donc là, je me dis, il a plus beaucoup d'élixir. Et là, j'ai fait un misplay, c'est que ça touche ça. Et mon mineur était déjà parti. Je mets un placement assez anodin. Dans tous les cas, tu vas prendre la tour, hein. C'est pas très grave. C'est ça, je me dis. Et je suis obligé de prendre la tour maintenant parce que je sais que s'il me fait un bus, j'aurai pas le temps. Là, tout de suite, je vais faire ça. Ah, pas mal. C'est très bien ça, hein, le même dégât. Après, la Valkyrie est assez horrible aussi pour moi parce que le seul moyen de dégâts contre ce deck, c'est. C'est ça, complètement, et c'est ce que je vais te dire. Bon, là, le placement pour pas se faire toucher par la tower. Il était gratuit, celui-là. Là, tu vas voir, je crois que je vais faire une bonne défense. Oui, effectivement, le mineur, il le met là pour pas que la tour du roi le tape. Je sais pas si tu vois, il y a même pas la Valkyrie qui est affichée que j'ai déjà recycle. Si, c'est ouf. C'est incroyable, hein, quand même, ce day. Là, le... Tu vois, donc là, que de la pression. Et le golem de glace, il va aller connecter sur la tour. Hein. Tu vois, mon gobelin vient de mourir, et si tu regardes, j'ai déjà recycle mes gobelins dans la main. C'est quand même assez... C'est marrant. Oui, en fait, t'as tout le temps les cartes d'up, quoi qu'il arrive. Tout le temps, c'est ça. Et là, c'est reparti. Je me dis la Valkyrie, mais bon, je vais pouvoir poison. Et là, il fait une erreur. La Valkyrie, il la met un peu tard. Il la rate un peu. Et du coup, il se prend quelques coups de gobelin lance en plus. Ouais. C'est ça. Bon, par contre, faut réussir à def. Là, tu vas poison def ou pas? Mais là, je vais poison, exactement. Ouais. C'est ce que je t'ai dit contre l'aérien. C'est ça qui va faire la différence. Carrément. Là. Bah mine de rien, les pêches molosses, ils aiment pas tellement le poison, hein, parce que ça clean aussi les petites lavandes, ouais, exactement. Là, ça commence à être chaud, je sais pas si tu vois, mais bon, le baby dragon il focus et avec le positionnement de son baby dragon, il a défocus le lava hound de mon HDV. Là, les squelettes, j'ai fait une erreur sur la méga gargouille, je vais le prendre, payer cash, et je crois que c'est là que ça va être du cycle hardcore. Waouh! Puis là, il a récupéré la Valkyrie. Ah oui, d'accord, il foudre. Il aurait sûrement pas dû foudre ici. Hein. Non, je pense que c'est un gros misplay. Et là, c'est reparti, je vais mettre mon mineur du côté où il y a la tour qui va être focus des deux côtés. Je sais pas si tu vois comme ça, la Valkyrie peut pas toucher mon perso. Ouais, il fallait poison ici, hein. Parfait. Waouh. Tu vois.
Et là, c'est. Il est vraiment... Non, c'est vraiment chaud. Match-up, hein. Il est tellement dur ce match-up. Oh. Ah, il est horrible. Hein. Il est horrible. Parce que si la T2 est terminée, c'est fini. C'est heureusement fini qu'il avait la foudre facile. Hein, parce que... Ouais, heureusement. Sinon, c'était, il a fait des erreurs, mais on voit quand même avec des erreurs, le match-up est. Ah, ouais, non, mais bien sûr. Super dur à gérer. Très, très dur. Carrément. On est parti sur le troisième ? Ouais. Ok. 2, 1, go. Alors, t'es contre quoi ici ? Alors, tu vas voir, c'est un Electro Wizard ballon mini PK. Mais okay, pas trop cycle, beaucoup triple sort, hein, encore l'engeance de cette méta. Mais étonnamment, il a même pas de bûche. Je pense qu'il compense avec les flèches. Oui, carrément. Carrément. Donc là, tu vois l'esprit de glace mis un peu late. En focus par là tout. Ok. T'hésites pas quand même à partir à cycler tes mineurs rapidement. Ouais. Ah, vraiment, c'est ça qui va me faire les dégâts. Hein. Et le poison, je peux pas me permettre de le mettre en early sans le double élixir, sinon je prends très très cher. Ok. Donc là je vais kite le mini PK si je me souviens bien. Okay. Et les gobelins, voilà, exactement. Je savais qu'il allait jouer soit des flèches ou un zap. Enfin, le zap il avait déjà joué, je crois, mais ou des bûches. Donc voilà, j'ai kite pour ça. Faut quand même être réactif, hein, comme tu dis, hein, parce que sinon c'est la PLS. Hein. Ah, mais c'est plus que la PLS. Là il va à Valkyrie. Ouais, ok, exactement. Donc il a aussi une Valkyrie. Ouais, ils sont relous. Tu vois les petits gobelins qui vont cycle. Le golem de glace, je viens de le jouer au push d'avant et tu vois que je vais le récupérer. Là, j'ai fait un. C'est pas une erreur, mais c'est un bon play. Je pense que c'est une erreur si je jouais pas le ballon de mettre juste la Valkyrie. Mais là, j'ai bien fait de la jouer en. Vraiment en pré-shot, mais je savais pas du tout qu'il allait mettre un ballon. Ouais. Et la game, je pense, se joue presque là-dessus, parce que là, il zappe, ça n'a aucun intérêt. Je vais même pas zapper, je crois. Ok. Ouais, au final, il te gratte un peu, mais toi, t'es déjà bien, bien devant. Tu peux repartir en mineur. Après, c'est pareil, tu peux pas vraiment faire de grosses values offensives avec ton poison, parce qu'il y a rien à poison. Ouais, exactement. Et là, tu vois, il a bien mis le PK. Et là, ça m'énerve parce que j'ai pas les petits squelettes pour le cycle. Donc, je vais devoir mettre des gobelins. Mmh. Et là, je sais qu'il va Valkyrie derrière ou flèche. Et ses flèches, c'est trop late là. Donc, je sais qu'il va Valkyrie. Ouais, 100% sûr, il va Valkyrie ici. Complètement. Okay. Là, il a même fait un misplay, c'est qu'il s'est fait mis un coup de gobelin en trop. Il aurait pu laisser la tour taper. Bah, kite. Là, j'ai mis au bon placement, mais j'aurais pu laisser un peu plus bas. Ouais, tu peux là, je vais mettre T2 à droite. Ouais, T2 à droite, c'est là. Au cas où il mette autre chose. Mais il a un peu misplay, je pense, de T2. C'était beaucoup trop early. Le ballon, et là je vais. Le ballon, oui, pardon, oui. C'est moi qui. Et là, la même technique. Il va Electro Wizard. Et là, j'ai fait un misplay, tu vois. Il était encore freeze et j'ai zappé. Ouais, t'as zappé un peu tôt. Mineur, c'est du détail, mais ça fait quand même un coup ou pas sur la tour en plus. C'est ça. Et un coup de mineur à ce niveau-là, c'est 97. Donc, ouais, carrément. Et tu vas. Je pense que je le joue depuis 7 mois et demi et je ne connais pas encore les dégâts totaux de poison plus zap. Vraiment, c'est que du feeling ce truc là. Ok, donc là t'as l'esprit de glace, il repart directement au ballon. Et là tu vas voir la force du deck en cycle. Hop. Je vais la mettre un peu. Ah oui, voilà. D'accord. En fait, tu peux remplir le terrain de T2 en fait. C'est ça, c'est un peu comme le deck Elixir où tu dois remplir le terrain d'Elixir pour mettre T2 de l'autre côté, c'est le bug. Là pareil, je sais qu'il a pas de tornade et là j'ai misplay le poison par contre. Très hasardeux. Il était ballsy. Ouais, très ballsy. Là je vais faire une erreur, je vais golem de glace. Non, je vais T2. C'est bien. Je vais Ice Wizard pour tout freeze, je crois que je vais tout freeze avec l'Ice Wizard. Ouais, c'est bien joué, super. Mais là, il faut que je le mini PK et ça, c'est problématique, la T2. Le ballon est entre les deux tours, t'es pas trop mal. Tu pourrais juste poison value là-dessus, non? Tu le fais pas? Non, je le fais pas. Ah bah si, je vais le faire, mais je l'ai fait parce que je mettais mineur. J'aurais pas mis mineur, Mais là, j'ai pré-shot le zap parce que je sais que je vais cycle sur mes autres cartes. Là, tu vois, j'ai encore mineur. Et là, je crois que c'est le moment. C'est exactement ça, exactement ce qui vient de se passer. Et voilà, et là c'est terminé. Ouais, ça me fait penser, je regardais assez souvent, je regardais Birat jouer son Minar Control avec Iwiz et Valkyrie. Ah oui. Oui, je vois, mais Valkyrie je l'ai pas up donc je peux pas la jouer. Ouais, mais enfin du coup son deck est plus cher, mais même avec un deck plus cher, il a arrivé quand même à faire des cycles tellement rapides de poison que, comme tu disais, en fait, t'as la dernière tick du poison, t'as déjà de nouveau un poison sur la. T'as déjà récupéré ton poison et ça c'est vraiment incroyable. Bah, j'ai déjà fait le coup avec le mineur. Qui n'est pas focus ou qui est focus peut-être 2-3 secondes après qu'il est pop sur la map, et j'ai le temps de rejoindre un mineur qui décale le mineur parce que je l'ai mis au même endroit, et ça c'est quand même assez incroyable quoi. Ça je ne peux pas tenir hors dans le deck. C'est ouf, franchement c'est juste ouf. C'est vraiment pas mal. Ouais, parce que c'était du cycle à 1-1-2-2. C'est ça, 1-1-2-2, et même le gang de gobelins, j'utilise tout le temps, donc c'est presque un cycle que j'utilise. Et c'est vraiment, vraiment bien quoi, parce que comme tu dis, le squelette peut gérer mini PK et voleuse avec un d'élixir, et ça c'est dingue. Ouais, c'est clair. C'est vraiment, moi vraiment je les adore, hein, les petits squelettes, même l'esprit de glace, hein, et les deux cartes là, elles ont vraiment un potentiel. Ah, c'est les cartes clés du deck, hein, c'est les cartes clés du deck. Carrément. Sans elles, le deck ne fonctionne pas quoi. On est parti sur du live du coup ? Ouais, c'est ça, je vais lancer la game. Vas-y. Mon positionnement de mineur, mais ça va pas. Et c'est pas grave, j'ai joué. Tu grattes la MG, ouais.
C'est ça. Okay. Là, tout de suite, je vais... Poison, je touche un, ouais, une c'est petite... C'est le bon timing, hein. Ouais, ouais. Ah, exactement. J'ai essayé de l'avoir, je l'ai pas toujours, mais là, je l'ai eu. Donc là, on voit la value, quand même, vraiment, qui est... Ah, bah, j'ai fait un SP, d'ailleurs. Bah, non, parce qu'en fait, il faut qu'il soit plus bas pour que ça marche, le poison, c'est pour ça. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Ok, T2, non. Je la mets assez haute, exceptionnellement. Là, je sais pas pourquoi je l'ai mis assez haute, mais je pense que c'est juste ça change rien, je pense. Enfin, que tu mettes à gauche ou à droite, au milieu. Dans tous les cas, elle va tomber, enfin... Là, je vais faire là, comme ça le mineur va rapporter le barbare sur la tour et il va se faire freeze. Oh, allez! Mais quel joueur! Là, je vais poison parce que je sais que j'ai les mini les squelettes en cycle, ouais, et j'ai pas, ouais, vu encore de dégâts de zone, donc je sais que je vais pouvoir gérer ça. Là, je vais zap instant. J'attends que tout le monde se fasse choper et je vais le kite au middle. Super. En plus, si je joue fil barbare, ça m'étonnerait qu'il joue zap dans son deck. Donc, bien. Ouais, exactement. Tu l'as bien dit, là j'ai vu qu'il venait de fournaise, mais il a fait une erreur parce qu'il y avait encore des squelettes. Ouais. Là je sais pas si tu connais le trick de... Merde, il y a ça. De cycler son deck pour mettre une T2. Ouais, je crois que c'est un peu un misplay ce qu'il a ouais, fait. Ouais, ça sert à rien. Ouais. Là je vais te montrer ce que je fais quand j'ai mal cycle, c'est que je laisse un esprit de glace au moment où l'esprit de feu doit taper. Comme ça je sais que les autres esprits de glace vont se faire geler par l'esprit de feu. Par l'esprit de glace, pardon. Waouh. Voilà. Oh mais quel joueur. Eh, t'en connais les trucs, ouais, hein. Ah oh ouais, je connais pas mal de trucs. Là, je vais faire ça exprès, en sachant qu'il va mettre ses esprits de feu. Et là, je les ai mis un peu trop tôt. Non, ça devrait passer. Là, je vais cycle tout de suite pour récupérer une TDE. Ok. Et là, je vais poison. Je vais essayer de bien le faire cette fois. Ouais, je l'ai bien fait, je crois. Ouais, après, vu qu'il y a la TDE, le timing est moins important. C'est ça. Bon, là, je me permets de laisser un peu le deck passer. Je vais tout de suite lâcher un mineur, les esprits de feu viennent de partir. Ah, il a un peu mispé, voilà, je pense, à TDE. Ouais, parce qu'il veut repartir en cochon ici. Mais c'est ça, je sais. Donc. Et là, je l'ai vu et j'ai déjà recycle. C'est ça. Non, t'es bien je là. Sais qu'il, t'es très très bien. Qui va mettre ça juste ici. Ok, parfait. Là, j'ai mis mon esprit de glace un tout petit peu trop tôt. Ouais. Ouais, j'ai fait un petit peu une erreur là, mais bon. C'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas grave. Tu regardes bien au poison. Tes tours, elles sont vierges. Ok, chut. Ouais, il a pas le... Ah, j'ai fait une erreur sur le barbare. Très grosse erreur, mais bon, ça va, franchement, peut... ça va. Oh, là, je sais pas comment je vais défendre ça, par contre. Bah, t'as recycle, je vais faire ça comme ça. Ouais, j'ai cycle, mais il s'est fait mal focus, mais bon, ça devrait quand même le faire. Oui. Là, je vais mettre exactement à ce moment-là tout ça. Je zappe pour pas que les esprits de feu partent. Ouais, j'ai vu. Et là, il va défendre, mais normalement, ouais, il a abandonné. Mais il s'est pris un outplay, là, hein. Ouais, il s'est pris un croix outplay. Ouais. Et il avait pas eu le droit de jouer, quoi. Après, pour sa défense, il avait pas de zap. Et le zap peut complètement me counter. Parce que pour 2 d'élixir, ça reset. La seule chose qui me permet de défendre les grosses, gros trucs. Mais bon, tu vois que c'est assez punitif comme deck. Hein. Mais il était pas prêt, là. Ah non, je crois qu'il était pas prêt non plus. Parce putain. Que là, clairement, il s'est pris. Bah, tu vois, j'ai mis sa tour à 1500-1600. Avant même qu'il y ait le double élixir, je crois, ou presque ouais, 2000, ouais, un petit peu moins de 2000. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ensuite, tu fais que du poison. Et au moment où il s'attend le moins, tu lâches un mineur aux endroits où surtout tu l'as pas lancé au début. Parce que là, il avait mini PK, donc ça peut être encore plus punitif. Ouais, tu vois, c'est vrai. Après, mineur, tu peux le défendre juste en mettant ta carte après dessus. T'es pas obligé de pré-shot. Enfin, oui, je sais réactif, complètement. Hein, mais... il faut être extrêmement réactif. Et avec le golem de glace, des fois, j'ai du mal, moi, pour les reset, les mineurs. Mais... Oui, oui. Sinon, ouais, ça se passe. Let's go, Eka. Ouais, pas de soucis. Allez. Je relance une game. J'espère qu'on va tomber contre un match-up assez compliqué. Moi, je veux du golem. Ou PK. Golem, ouais. Allez, golem, j'allais dire. PK, c'est assez... Bah là, tout de suite, j'aurai aggro. Pour peu qu'il ait pas la bûche dans la main. En plus, j'ai le zap dans la main. Donc, s'il joue une armée de squelettes ou même quelque chose... Bah voilà, là, il a très, 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 très mal joué. Ouais, c'était pas, c'était pas le meilleur début de Dragon. C'était très, très mal joué. Ah bah, là, je sais pas encore ce qu'il joue, donc je vais faire ça. J'ai fait exprès hein, que le bébé dragon focus par la tour après. Là, j'ai fait une erreur, grosse erreur de ma part. Et zap, mais c'est golem ça, tu fais quoi? Je pense, ouais. Ouais, je vais zap, je pense, ouais. J'ai un peu mal défendu ce push, mais bon, ça devrait aller. Vous avez autant d'élixir à peu près. Il a un de plus. On a autant d'élixir, il a un de plus, ok. Oh, parfait, voilà. Alors là. Il va lui, bûcher certainement. Hein. Par contre, golem en x1 comme ça là. Ouais, clairement. Et si je prends la tour maintenant, objectivement, sans être trop présomptueux, je pense que je gagne la. Mais qui sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais mort. J'ai pas compris là. Tout de suite, je vais faire ça. Alors là, je sais vraiment pas ce qu'il fait. Hein.
Mais je suis pas sûr que lui non plus il sache. Hein. TDE. Non, non, je pense qu'il est un petit peu perdu. Hein. Voilà. Il faut pas golem au fois 1, bordel. Ah oh, oui, clairement, faut leur dire d'arrêter de faire ça. J'en ai marre. On ne golem pas en fois 1. Tout de suite, c'est reparti. Oh là, j'ai fait un misplay. Ouais, ouais, mais bon, c'est pas grave. Au pire, tu mettras un poison. Non, ça va parce que. Avec... Ouais, je vais tout de suite poison. En fait, le poison, si tu le mets avant qu'il récupère 2 d'élixirs, ça ira parce que du coup, tu vas le reset. Voilà, oui, tout à fait. Je le dis, hein, même si tu le sais, je le dis pour les gens qui. Oui, oui, non, mais oui, t'inquiète. Je confirme. Je dis que tu. Ouais, exactement. Comme ça, ça fait du 6 pour 6, quoi. Exactement. Ah, du 4 pour 6, on va dire. Ouais. 4 pour 4, ouais. Je vais faire ça comme ça. Ensuite, les squelettes. C'est normal, il va être freeze. Ensuite, je le décale. Et je garde mon esprit de glace encore une fois pour t'expliquer que je vais. Ouais, je viens de voir ça. Que je vais continuer de faire mon attaque comme ça. Là, tu vas voir, je vais tout de suite mettre une T2 comme je t'ai expliqué. Trop haut, t'as vu ? Bon, c'est pas grave. Hein. Ma T2, ouais, j'aurais pu la mettre un carré à droite. Le mineur il se faisait taper par le roi. Ah oui, j'avais. Ah bah, bien vu, j'avais pas vu mon erreur. Bien vu, bien vu. Là, je vais tout de suite repoison. Je l'ai mis peut-être un peu tôt. Il mais devrait bon. Pas Nightwitch dans le fond comme ça. Ouais, clairement, il sait que j'ai poison. Ouais, tiens. Okay. Là, je vais faire ça. Bon, faut def. Hein. Poison, foudre. Ok, putain, t'es réactif. Hein. Ah ouais, bah, je m'y attends. C'est ça qui va me faire perdre le match-up si je le fais pas bien. Donc là, j'ai fait un petit peu. Ça je va, vais essayer de faire de la magie un peu, mais. Ça passe. Il reste plus que 18 secondes, il a 8 d'élixir, mais il pourra jamais être envoyé un vrai push. Donc là, c'est le moment où je vais. Ah, lui, il va j'ai fait l'erreur encore, ouais. Mais bon, ça va finir ici. Bah ben voilà. Mais très bien. Ah, voilà, le deck golem. Donc tu vois qu'avec une tornade et des bats, ça aurait peut-être encore plus été efficient le match-up pour moi. Ouais. Mais là je le gère quand même. Enfin, je m'en suis bien sorti, je suis content. Carrément. Bah, moi, je sais pas. Tornade, alors ça doit être bien, mais j'ai plus de mal à mettre une tornade dans un deck rapide. Hein. Ouais, exactement. Mais la tornade va servir pour activer la tour du roi, vu qu'il aura moins de défense. Ouais. Comme par exemple des petites cartes, la tour du roi va lui permettre avec un seul squelette par exemple de gérer un prince. Parce que la tour du roi va focus en même temps. C'est vrai, tout à fait. Et ça c'est la diff, mais après le souci c'est qu'il faut activer la tour du roi. Et contre des gens qui n'ont pas de mineur ou de fuit à gobelin ou qui jouent bien, ou qui essayent de bien jouer, c'est assez compliqué de l'activer. Et donc ta défense qui est basée sur ça, si tu l'actives pas, bah je trouve ça trop compliqué à mettre en place. Ouais, tu m'étonnes, je suis complètement d'accord avec ça. On en fait une dernière ? Ouais, aucun problème, je lance. On est sur du perfect. Franchement, je surkiffe ce deck. C'est ouf. Ah oui, il est très atypique, c'est pour ça que j'aime ça. Hein. Non, mais c'est vraiment du jeu réfléchi, tu vois, du jeu posé. Ah oui, complètement. Bon, là, je mets mineur, je fais toujours ça. Dart Goblin, là, il l'a bien mis. J'espère qu'il va passer sur la lane de droite. Il va à la droite, hein, c'est sûr. Ah, ouais, parfait. J'espère qu'il va rien mettre de plus. Ah, j'ai mal mis mon placement. Avec... Là, c'est une. Avec le bon timing, l'esprit de glace, il permet aussi de le défendre parfaitement. Ah, l'esprit de glace aussi, ouais. Mais il faut le décaler au moment où il tire sur la tour pour qu'il perde son temps, son temps de tower. C'est ça. Là, je vais être pris de glace. Je sais pas si je vais poison, je sais pas, j'hésite. What ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Il a pas le temps, lui. Voilà. Là, c'est parti. Après, ouais, bûche. Ouh là là. Ah oui, mais il a pas d'élixir, là. Non. C'est le problème. Ah, bon, après, tu remonteras pas en dégâts, mais... Oh, si, je pense que je peux remonter pas mal. Aïe. Aïe, 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 aïe. Le dart, ça fait très mal. Ah, là, tu vois, deux erreurs de positionnement, ça fait très mal. Après, dart, c'est pas évident. C'est comme machine volante, c'est des cartes qui sont dures. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est reparti au mineur. Si remet autre chose, je vais poison. Non, je vais pas poison, je vais garder. Est-ce que je me permets de faire ça? Ouais, je vais me permettre. De fût, enfin de gobelin. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oulala. Je crois qu'on n'est pas le seul à jouer des decks atypiques ici. Ah oui, si la mousquetaire meurt, c'est la game, je pense. Ouais, bah elle est morte. Bah, la game, je sais pas à ce point-là, mais en tout cas, ta défense, elle. Tu vas pas. Ouais, objectivement, je pense que je le sens très très bien là. Ah, je suis peut-être assez présomptueux, mais. Bon, là, je l'ai peut-être mis toujours au même endroit, il va peut-être me. Non. Il a même réussi à esquiver l'esprit de glace avec la bûche. Ouais, l'esprit de glace qui a jump au-dessus, il va tombstone, même pas. Oh là là. Oh, il fait beaucoup d'erreurs par contre. Ouais. Je sais pas si avec le zap ça suffit, mais bon, je crois pas. Tu prends un coup avec zap. Avec boule de neige 0 et avec zap 1. Ouais, mais bon, boule de neige, c'est pété. Ouais, c'est sûr. Je sais pas comment ils vont la nerf, mais. Alors là, je vais faire un placement. Oh merde.
Excuse-moi pour la vidéo. C'est pas grave, hein, il va pas full là-dessus. Hein. Ou peut-être ouais, qu'il clairement. Fond, mais... Enfin, dans tous les cas, c'est pas ouf. Quoi. Ah, ouf. Mon poison, je l'ai mis un peu mal. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as la MG, tu peux redef. Ok. Ah, là, je pense qu'il vient de faire. Ouais, il vient de faire une erreur là, je pense. Bah oui, parce que. C'est dommage qu'on joue pas contre des mecs qui ont un niveau quand même. Parce que là, vraiment, c'est l'erreur à pas faire quoi. Je vois pas pourquoi. Ça me semblait très bien de mettre un golem à ce endroit là. Et foudre des gobelins aussi, c'est vraiment pas mal. Voilà. Non, mais en vrai, golem, c'est souvent le truc que je vois chez beaucoup de joueurs de golem. C'est que c'est vrai que c'est une carte où, quoi qu'on en dise, investir 8 d'élixirs quelque part sur le terrain, c'est un choix qui est pas facile à faire. Ah, ça c'est sûr, surtout quand on a vu le golem placé avant le double élixir au bridge pour protéger la mousquetaire, c'est quand même. je pense qu'il a confondu avec le golem de glace. Mais, ouais, là, mais c'est vrai que c'est une carte, c'est dur de la poser parce que tu mets 8 d'élixir et tu vas te prendre tous les comptes du monde. Enfin. Ah, complètement, et tu te prends un push de l'autre côté pour peu qu'il ait TDE, c'est terminé. Et dans mon cas, c'est le cas donc. Ouais, carrément. Bah écoute, vraiment génial. Moi j'ai surkiffé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé également. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions ou autres, je vous invite vraiment à essayer une ou deux ou trois parties avec ce genre de deck. Donc celui-là ou la version bat. Mais vraiment pour vous entraîner, ça entraîne à fond les mécaniques du jeu. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée.